L'enfant caché, c'est d'abord un choix, expliquer une période sombre de notre histoire à un public bien précis. On n'a pas l'habitude en bande dessinée, c'est-à-dire dans les œuvres majeures qui traitent de la Shoah, on a Maos, qui est vraiment... Mais après, pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on a? Par contre, en livre jeunesse, on a des choses, mais en bande dessinée, on n'a rien. Donc tout de suite, l'axe jeunesse a été pris. Une BD qui parle de la cruauté des hommes, mais aussi de leur générosité devant l'injustice. Sans citer les chiffres, cette fiction rappelle que 84% des enfants juifs ont pu être sauvés sous l'occupation. Beaucoup de sauvetages individuels comme ça se sont produits, où les gens ont caché, voilà, tout simplement. Et ils n'étaient pas forcément résistants, ils n'étaient pas forcément des héroïques, ça leur était juste insupportable et ils ont sauvé les enfants. C'est avec les scolaires que l'auteur rentre dans les détails de cette histoire. Donc là, il a mis un coq et il a mis un soldat avec un enfant, qui sont des affiches qui existent réellement, réellement. Et puis quand j'ai été voir Hélène, Bernard et Anne, ils ont dit « Ah, peut-être, là on est en 1942, peut-être que ces affiches-là, elles sont pas réellement de 42. » Donc on s'est posé la question, et avec le dessinateur, on a pris la décision de supprimer ces affiches, et avec la GPN, on a recherché des affiches qui étaient précisément de 1942. Vous voyez, c'est des détails, hein. Des détails historiques dévoilés aux enfants, mais aussi de l'autocensure. J'ai une documentation avec une photo de retour de camp. Non. C'est-à-dire que là, je viens de mesurer que, vu le caractère de la classe et la façon dont ça se passe, on ne peut pas aller dans l'horreur. Là, c'est pas possible. On ne peut pas y aller. Avec des plus grands, j'aurais certainement montré cette photo pour expliquer la position. Les incursions en milieu scolaire n'oublient pas l'espoir que porte aussi cette bande dessinée. L'histoire de Dounia, sauvée par des justes, par des anonymes.